Salut tout le monde, c'est Kiwi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on découvre le jeu Island Hopper. Donc c'est un jeu, attention, voilà, je le dis directement, le français n'est pas pris en compte. Voilà, hein, donc je le dis, c'est un jeu qui coûte 4 euros sur Steam, donc voilà. Honnêtement, il coûte pas très cher. Bah, c'est parti. On va découvrir un petit peu ce genre. Moi, j'y ai jamais joué. Voilà, je suis là, je suis en mode full découverte avec vous. Je remercie déjà Kimailer de m'avoir donné une clé du jeu. Et puis, let's go, on va découvrir ça. Alors, c'est votre maison. Gna gna gna, bla bla bla. On est encore endormi, gna gna gna. Next. Ok, donc ça, c'est le portail, en fait, qui va connecter, en fait, notre île au reste du monde. Oh non! Une tornade qui arrive sur nous! Oh merde! Ok, bah alors là, on va sauver ce qu'on peut, les potes. J'aime bien les arbres, en vrai. On sauve ce qu'on peut, et... ben, rip. Ah, le petit forgeron, il est quand même joli, tu vois. Bon, ben, la tornade, elle pète tout, hein, voilà, grosso modo, hein. Et, ben, c'est la merde, hein. Ah, d'accord, donc, ah, moi, je suis toujours en train de dormir. Pépouze, tu vois. Je tape ma meilleure sieste. Mais genre, il y a une tornade qui, voilà, qui ravage quand même ton île, mon pote. Hein. Imagine, genre, ça t'arrive dans la vraie vie, ça. Tu es en mode, tu dors, tu vois, tranquille. Genre, tu te réveilles. Il manque la moitié de l'île, tu vois. T'es en mode, oh. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est abusé, tu vois. Ok, le petit marchand. Ouais, il a l'air un peu triste, quand même, le pauvre. Hein. Ah oui, en même temps, tu m'étonnes, t'as tout perdu. Et du coup, on doit bouger, on doit collecter les ressources, en gros. Et on va reconstruire notre île. Voilà, donc. Notre petit bonhomme. Alors, bon, bah, les mouvements, hop, 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 hop. C'est quand même stylé, en vrai. Et on peut sauter, c'est joli. Et ensuite, voilà, on peut ramasser ici les choses. Ah, on peut ramasser... c'est quoi? Ah, c'est une épée, tiens. Je pensais que c'était un... Comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot. Je pensais que c'était un... filet à papillon. Donc là, on ramasse quoi? Du bois. Et on ramasse un petit peu des trucs. Alors ça, c'est cool. Parce qu'en vrai, ça ramasse des... ça ramasse, en fait, sur plusieurs lignes. Enfin... Ah, jump et dash. Ok, ok. Hop, ah ouais, d'accord. Ah oui, défaite all enemies, ok, et c'est clic droit. Prendre ce tuto, en fait, est un peu... Ok. Oh, je fais un point de dégâts, sérieux? Ok, après, je sais pas où est ma vie. Ah, elle est en haut, ok. Mais ouais, c'est vrai que, tu vois, c'est pas terrible, quand même. Et go through the portail. Bah ouais, je veux bien, mais il est où? Donc on a un petit cooldown aussi, voilà, on peut pas non plus faire n'importe quoi, les potes, avec notre dash. En mode, tu peux pas spam dash. Ok! Et donc ici, d'accord. Donc on me dit d'aller inspecter le portail vert pour démarrer ma première journée de récolte. Il me faut 500 pièces pour débloquer le petit Smith. C'est quoi? C'est forgeron, si je dis pas de conneries. Alors, comment je sais par contre? Ok, on peut casser ça. Est-ce qu'ils vont m'en vouloir si... C'est long, on va rentrer à casser ça. Mais je veux en fait si on ramasse des choses. Tu vois quoi? Non, ok, c'est juste un style de mannequin, tu vois quoi? Ah, on peut vendre des choses. Ok, j'ai 4 bois. Ok, alors, vends tes items que... sectionne les items que tu veux vendre. Les items qui ont... Enfin, les objets qui ont ça, là, la petite flèche verte. En gros, c'est... D'accord. Donc, en gros, on te dit, en fait, ce qui est important... Pour les améliorations. Ça, c'est plutôt bien, parce que c'est vrai que des fois, dans certains jeux, je suis en mode, putain, est-ce que je peux vendre ça ou pas, tu vois? En mode, est-ce que si je le vends, je vais pas en avoir besoin plus tard, et que je vais être en mode rip, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, donc on a des... ok, mais c'est bon à savoir, pour le coup. Et, ok, après, on choisit la quantité qu'on veut vendre, ok? Et après, on presse start pour le minigame. D'accord, et on va cliquer sur celle... Ok, bon, on va tester ça, les potes. Et d'accord, en fait, plus c'est grand, en fait, plus c'est le bonus... ok, 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 bah, c'est compris, du coup. Mais j'ai pas envie de vendre ça. Ok. Ok, on va vendre, je
Pas un sort. La food, c'est quoi? La food, c'est... On va vendre une food, par exemple. Tu vois? Merde. Donc, ça va emporter deux pièces d'or avec un bonus de 24%. Bon, c'est pas fou. Après, j'avoue que, par exemple, ça, là, ça a l'air de ramener un peu de thunes. Bon, on verra, de toute façon. Donc, on a quand même le marchand qui nous permet, voilà, d'avoir un petit peu de thunes. On fait un peu le tour de l'île, tout de même. Mais... Oh, il y a un coffre. Non, ça, là-haut, là, c'est quoi? C'est un tonneau, peut-être. Voilà, moi, j'explore un peu l'île. On va voir un petit peu, peut-être, qu'ils vont nous montrer... Ah, c'est là où je dormais, ça. Alors, ils ont perdu presque tout. Et en gros, on doit l'aider à reconstruire son magasin. Et ensuite, ils pourront m'aider. Enfin, lui, il pourra m'aider à débloquer des compétences, hein, je suppose, physiques. Si on n'avait pas dormi. Ok. On aurait pu sauver quelque chose. Bref. Après, j'avoue. Ok. En gros, si on lui reconstruit sa petite hutte, ou sa petite cabane, ou son tipi, ou je sais pas quoi, là. En gros, il pourra m'aider, enfin, il pourra me fournir des petites choses par la suite. Alors, je sais pas s'il y a des choses que je peux ramasser, là, tu vois quoi. Ok, l'agent qui a un œuf, c'est quoi, ça? Aride. Alors, si on est chanceux... Ah, d'accord, c'est une forme d'œuf, ok. Vous trouverez des œufs rares dans tes... je crois que c'est aventure, ça. Qui peuvent être gardés ici, et chaque œuf qu'on trouvera va me ramener de la thune. Ok. Reward, attends. Ah non, ok, c'est raid, pardon. Ok, donc en fait, ouais, tu vas les replanter ici. Ok, stylé, en vrai. Bah, tu sais quoi, on va aller voir directement ça là-bas. Lui, on était le voir, oui. Donc, ok. D'accord. Donc là, déjà. D'accord, donc tu peux avoir les îles ici. Ok, ça permet de changer fondamentalement quelque chose. Mais là, tu vois, par exemple, on voit que... ah, d'accord, on peut augmenter 5000 pour le portail. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, en fait, on peut voir que je vais choper quoi? Alors ça aurait pu être bien, tu sais, que je puisse voir ce que c'est, tu vois. C'est quoi, ça? C'est des œufs ou des patates? Je sais pas trop ce que c'est. Mais on va voir. Alors, ouais, c'est ça. Collecter 20 patates. Merde. D'accord, on peut regarder ensuite mes collectifs de ressources. Ah, ok, c'est ma quête. Ok, d'accord. Donc, on doit collecter 20 salades, tuer 10 crabes et 20 patates. Ok, bon, bah, je dois juste faire ça en vrai. 20 patates, ok, bah, ça en est, ça. Mais en vrai, ouais, en fait, tu ramasses tout. En fait, hein, globalement, c'est ça. Tu ramasses tout, tu butes 2-3 crabes. Tu vois, et YOLO. Bon, alors, j'aime bien, pour le coup, ce petit système de récupération. En fait, c'est vraiment un jeu, genre, chill, tu vois. En mode, bah voilà. T'as pas envie de te prendre la tête. On peut se heal ici, d'accord. Bon, on va pas l'utiliser, parce que je sais pas si c'est quelque chose, voilà, que on va avoir... je sais pas si c'est un truc, par exemple, avec un cooldown ou quoi. J'aurais bien aimé... Voilà, j'aurais bien aimé choper les deux d'un coup, là. On en est où, là? Tu vois, j'en suis à 1 sur 20 sur les patates et 4 sur 20 sur les salades. Ok, il y a quand même beaucoup de choses à récup. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner pour le coup de faire ça. Mais, ok, attends, donne-moi ça. Merci. Alors, pour le coup, les crabes, je sais pas trop où ils sont. Mais, on va voir. Mais voilà, en tout cas, le jeu est vraiment chill pour le coup. C'est... Voilà, là, en vrai, tu te casses pas la tête. Hein. Là, pour le coup, voilà, tu joues. Après, je ne sais pas que c'était ça. C'est une tornade encore qui me vient sur la gueule? Non. En fait, je veux voir. Parce qu'en vrai, avoir les 500 premières thunes, je pense qu'avec les quêtes, il y a moyen d'aller vite, tu vois. Parce que. C'est quoi ça? Ah, ok, il y a des ennemis là. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, ok. Ah, ok, là, j'ai été touché. Ah merde. Ah oui, mais attends. Hop, voilà. On va venir ici. Ok, on va aller se heal après, on va voir un peu ce que ça donne. Ok, on a eu des os. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Ah, d'accord. Il y a des choses quand t'es dans le nuage, je sais pas quoi. Ok. Voilà, heal. Ok. Ouais, c'est ça en fait, tu vois. C'est bien un truc en mode qui est consommé une fois que tu l'as utilisé. Donc c'est un peu... Tu vois, en fait, c'est dommage de l'utiliser pour rien. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, bon, je sais pas si ça te donne... tu sais, tout est HP, ou si par exemple c'est quelque chose qui te donne, j'ai une connerie, 5... oh, un petit coffre, génial, on a eu quoi dedans? Ok, j'ai mon premier coffre au trésor.
C'est quoi? Ah, d'accord. Ah, la barre bleue, là, là. J'ai l'impression que c'est l'anti-thème que j'ai sur moi. Et ah ouais, c'est stylé en vrai. Ok, on a un peu de tout, ça, on voit que ça coûte cher. Mais ça, c'est peut-être des choses qui vont m'être utiles plus tard pour, voilà, pour faire ce que j'ai à faire. Mais c'est vrai que... ah, ça va être dur, hein, en fait. Hein. Je pense, en fait, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de faire plusieurs allers-retours, tu vois. Pour essayer de choper. Alors, c'est quoi ça? Ok. Ok, là-bas, il y a un... J'allais dire un zombie, mais non, c'est pas un zombie. Ok, on va essayer de taper ça. Vas-y. En fait, j'aimerais le tuer avant que... Voilà. Avant qu'il y ait eux qui viennent. Ok, ça tue, ça tue, ça tue. Ok, on va venir essayer de taper ça. Ok, il y a du Krabi, là, les potes. Il y a du Krabi. Ouais. Ça passe, ça passe. Vas-y. Bien joué. Ok, bon. Les combats sont pas... Pour l'instant, en tout cas... très compliqué. Voilà, ils sont... Qu'est-ce que c'est encore ça? Je perds des HP? Non, je perds rien, ok. Ah, c'est du heal ici. Ok, on peut sauter. Ah oui, mais... ah, oui, c'est vrai qu'on peut sauter... Bon, après, moi, je ramasse tout, hein, j'ai envie de dire. Là, j'ai pas de... Enfin, j'ai pas de raison de pas tout ramasser, tu vois. Après, peut-être qu'on triera. Tu vois, en mode quand j'irai à droite, à gauche. Tu vois, peut-être qu'il y a des choses que j'ai vraiment trop récupérées qui me serviront pas. Et dans ce cas-là, tu vois, je pourrais peut-être, bah, tu vois, un peu plus filtrer, on va dire, ce que je veux ramener à la base. Mais bon, là, pour l'instant, je suis au tout début. Je dirais, j'ai besoin de tout, tu vois. Et qu'on sort beaucoup de monde, là. Voilà, pour le coup, et qu'on sort beaucoup de monde, là. Hein. Bon, les combats sont pas très intéressants. Parce que j'ai l'impression qu'ils peuvent pas te... Enfin, pas te toucher, mais tu vois, tu peux peut-être les stunlock et tout, tu vois quoi. Ok, alors ça par contre, attends. Hop, hop, hop. Ok. Bon, je suis déjà quasiment plein. Donc, ok, qu'est-ce que c'est ça? Et alors, j'espère que je vais pouvoir améliorer mon coffre. Mon coffre, mon sac à dos, pardon. Parce que, mine de rien, bah, 250, tu vois, genre, j'ai quasiment rien fait. Et tu vois, au final, bah, je suis déjà plein, tu vois. Donc, après, c'est vrai que par contre, je suis un peu loin de la quête. Tu vois, je suis qu'à 6 sur 20. Ah, j'ai déjà eu les crabes ici. Donc, c'est génial. Je vais pouvoir voir ce que ça fait quand tu finis une quête. Par contre, j'ai déjà tué les 10 crabes. Ça me paraît bizarre. Pour le coup. Voilà, et là, tu vois, je suis full. Ok, on va essayer de taper tout ça, là. En fait, j'aimerais voir ce que ça fait quand tu meurs, tu vois. Quoique non, j'ai pas envie de tester de mourir. Je vais juste dégager, je pense. On va voir un peu ce que ça dit, parce que j'ai fini une quête, donc hop, on va quitter. Tu vois, j'ai 800 gold. J'ai récupéré 43 de bois. Merde. Donc là, tu vois, j'ai fini ça. Ah, et donc avec de la thune, en fait, tu peux roll, par exemple, les quêtes. Si par exemple, t'en as une qui est, je dis une connerie, trop, par exemple, trop dure ou genre chiante, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, on nous demande de débloquer le blacksmith, donc le forgeron, si je dis pas de conneries. Stylé! D'accord. Ah oui, d'accord. Donc ça coûte vite cher. Après, j'ai l'impression quand même que l'argent... toi, tu le gagnes potentiellement assez vite. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui faire avec lui? Ah, d'accord. Donc là, en fait, avec 500 balles et ça, en fait, tu peux augmenter, en fait, tes... D'accord, tu peux augmenter les dégâts que tu fais aux différentes ressources, on va dire. Et après... ou alors ton rayon, ce qui peut être pas mal, parce que du coup, ça peut te permettre de farmer plus vite. Mine de rien. C'est... Enfin, c'est pas déconnant, tu vois. Ok, donc là, je pense qu'en fait, l'objectif, c'est juste, en fait, tu fais... Alors ça, le marchand, pour le coup, ça va être un truc qu'on va à nouveau avoir assez vite. Alors là, du coup, en fait, tu repars là-bas, tu vois. Bah, je vais laisser en normal, parce qu'au final... Enfin, je vais laisser en normal, parce que pour l'instant... Ah, on n'arrive pas du même endroit, tu vois. Mais c'est vrai que j'aimerais bien tester peut-être une petite amélioration. J'aimerais bien avoir 1000 boulasses, tu vois. Mais ça, c'est vrai que c'est un jeu vraiment chill pour le coup. Hein. Et tu vois, je me dis en fait, t'as pas le temps de jouer. Par exemple, tu vois, je dirais une connerie, t'as une demi-heure pour jouer par exemple.
Mais en une demi-heure, toi, tu peux te faire ça, tu vois. Toi, tu fais un petit truc rapide comme ça. Tu vois, l'île, en vrai, tu peux la torcher en 2-2. Et voilà, tu vois. Je pense que le sac à dos serait un bon premier investissement. Dans le sens où, en fait, plus tu vas ramener de choses à terme de tes expéditions, tu vois, plus, en fait, tu vas avoir de choses à vendre ou... Enfin, tu vois, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Parce que, en vrai, comme j'ai dit, les 250, tu les as quand même très très vite. Et je pense que tu auras une notion de. Voilà. De peut-être de sac à dos à choper. Ou. Enfin, tu sais, peut-être d'amélioration de sac à dos. Tu as peut-être un truc, je sais pas, j'ai déjà une connerie, qui t'augmente de 250 à peut-être 300 ou 400. Tu vois. Et je pense, tu vois, que ça serait vraiment pas mal. Là, pour l'instant, je récupère tout comme un débile. Mais après, à terme, comme j'ai dit, tu pourras filtrer un peu plus en mode merde, j'ai besoin de trucs pour la forge, que j'ai envie de me construire telle arme ou quoi. Voilà, j'aimerais bien récupérer ça avant d'aller me battre. Voilà. Ah oui, et là, ah oui, en fait, ça c'est gênant quand même en fait. Ah, par contre, je trouve le rond, tu le vois pas très bien. Mince. Dans le sens où, finalement, tu vois. Ouais, bon, c'est pas ouf quand même les combats, on va pas se mentir, c'est pas le point fort du jeu, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, les combats, ils sont vraiment pas compliqués, en tout cas, sur la première île, tu vois. Après, bon, normal, tu vois, sur la première île. Ah, d'accord. Donc, j'ai perdu d'HP, ok. Ah ouais, parce que j'ai pris la tornade, ok. Mais ouais, tu vois, peut-être parce qu'on est sur la première île et en mode, bon, bah, on s'en fout, tu vois, genre, on va dire, t'affrontes des petits ennemis nuls. Peut-être que sur la deuxième île, déjà, tu vois, on va avoir une petite amélioration là-dessus, je sais pas. Mais, bon, voilà, à voir en tout cas après. Mais bon, déjà, pour débloquer la première île, enfin, la deuxième île, pardon, du coup, ça demande quand même un peu de, tu vois, un peu de farming, hein. Je suis à 13 sur 20, en vrai, j'ai bientôt fini ça. Cool, on va taper un peu du mob, du petit mobé. Ok, on va tuer ça. Après, je me retourne. Voilà, on se free fight contre le Krabby. Ok, ça dégage, ça dégage. Tac, et voilà, Mino. Et en fait, faire les quêtes, ça va vraiment te booster, en fait, ton argent. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut essayer de prioriser. Ouais. Ok, là, c'est pas... là, c'est bien. Là, j'ai du heal. Oh, c'est quoi ça là-haut? Je vais aller voir. Ah non, j'ai pas fini ça. Tac. On va voir ce que c'est ça. Tiens, on peut prendre ça, c'est quoi? Ah, j'ai eu un œuf. Il est où l'œuf? Ok, je sais pas où il est l'œuf, pour le coup. Mais ok, on va ouvrir le coffre. Ok, là on a pas mal de choses. Génial. Et alors là, on va tabasser ça. Tac, tac, tac. Allez, ça dégage la racaille, s'il vous plaît. Ok, là je pense que j'ai. Ah, mais du coup, même eux, ils prennent des dégâts dans ces trucs. C'est pour ça que là, tout à l'heure, quand il est venu sur moi, il avait plus d'HP. Ah, c'est pas mal, ça. Juste me manquer un truc ou deux, là. Ok, ça va, j'ai réussi à le choper de là. Prendre là, s'il y a des monstres, je suis dans la merde, parce que là, je suis enfermé dans un coin. Et ça, pour le coup, ça me plaît pas. Il me faudrait trois laitues encore. J'ai fini ça. Il me faudrait trois petites laitues. Mince, désolé pour le petit son que vous avez entendu. Ok. Ok, là, on... Ouais, tu vois, là, on commence à être bien full, là. C'est vrai que c'est pas... Ouais, faut faire gaffe, là. Mais, comme j'ai dit, en fait, ça monte tellement vite. Allez, il y a des salades là-haut. Vas-y, je vais aller les chercher. J'en ai besoin que de 3, de toute façon. On va récupérer ça, déjà. Hop. On va se mettre comme ça pour récupérer tout. Ok, j'ai fini les salades, il me faudrait des patates. Bon, bah, ça après, les patates, j'ai envie de dire. Là, en fait, ce que je vais faire, c'est juste récupérer, on va dire, le. Bah, ce qui me manque. Alors, attendez, hop. Juste récupérer là ce qui me manque. Histoire de partir full, par exemple. C'est quoi, je vais les taper, ils ont plus de vie. Hop. Il me manque un tout petit peu. Vas-y, je vais récupérer ça. On va rentrer à la base. Tac, 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 attends. Parce que là, j'ai tout récupéré. Là, j'ai tout récupéré quasiment. Je vais récupérer ça, c'est génial. Ok. Et quitter. En vrai, ça va, on a quand même récupéré un peu de thunes, là. On a récupéré pas mal de ça, pas mal de ça. J'ai 1200. C'est vrai qu'en fait, ça va quand même assez vite, hein, les trucs.
Collecter 50 bois, ouais, ça commence à être long. Et 20 iron bars, ok, bon, après. Hein. Bah, c'est parfait parce que là, j'ai assez pour unlock lui, pour le coup. Et j'ai assez pour aller voir peut-être ça. Mais j'aimerais d'abord voir s'il n'a pas, par exemple, un peu de. Un petit sac à dos, le marchand, là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, on peut débloquer un autre portail pour 10 000 boulasses! Oh là 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 là! Ah ouais, en fait, ça commence, ça demande vite. Ah, voilà, ça c'est bien, ça, tu vois. Bonus inventory size, ça c'est bien. Bref. La réduction, tu vois, du cooldown, je m'en fiche. Par contre, on a plus d'HP. Ah, et un peu plus de dégâts aux ennemis, ça peut être intéressant, même si là, on va dire pour l'instant, en tout cas, je ne suis pas du tout. Comment dirais-je? Embêté, vous voyez, par ça. Donc j'ai augmenté, maintenant on va voir. Ah ouais, 350. Donc ça m'a fait gagner 150. En vrai, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Tu vois, j'ai gagné que 150. C'est pas. Ouais. Après, on va voir. Je vais me mettre en large. On va voir un peu ce que ça peut donner. Attends, quoi? Je peux. Ah oui, go, ok. Donc je pense qu'on va juste refaire ça. Et tout ça, après, voilà, vous allez comprendre le jeu. Mais là, c'est vrai que. Maintenant, je vais pouvoir vraiment farmer beaucoup plus. Enfin, beaucoup. Ouais, bah ouais, en vrai, mine de rien. Sans emplacement de plus, c'est loin d'être déconnant, tu vois. Donc, on va regarder un petit peu sans emplacement à quoi ça correspond en termes de ressources. Récoltées, tu vois. J'entends bien. Mais, ouais, il y a moyen que ça vite. Ah, génial. Ah, mince! J'ai pas été dans la ferme placer mon œuf, faut que j'y pense. Ok, j'ai eu quoi là? Ok, j'ai pas mal de petites choses là. On est où? On a 2, 12. Voilà, tu vois, en vrai, bon, bah. Ça avance, voilà, petit à petit, comme on dit. Et puis. Oh, la fin, j'ai l'impression qu'il y a plein de coffres. Ça, c'est génial, ça. Après, j'ai peut-être juste eu de la chance, mais. Tu vois, en vrai. Bah, tu vois, à peu près 100. Tu vois, ça fait à peu près tout ça, tu vois. En vrai, c'est pas non plus. C'est pas déconnant, tu vois. Donc, je récupère cette île. Et voilà, je récupère s'il se passe quelque chose, mais bon, je pense pas honnêtement qu'il va se passer grand-chose. Puisque, bah, quoi? D'accord. Ok. D'où lui, il spawn à côté de moi, là. Ouais, qu'on sort beaucoup d'ennemis, là-haut. Qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là? Punaise, c'est chaud. Ah oui, j'ai perdu un point de vie bêtement, parce que... En fait, genre... Bah, je suis en double écran, tu vois. Et en fait, la souris, elle s'est barrée sur l'autre écran. Et du coup, ça m'a fait cliquer à côté et j'ai pas pu. Comment dirais-je? J'ai pas pu gérer le truc, on va dire. Ok, j'ai déjà fini une quête, si je dis pas de conneries. Non. Ah, il me manque des patates encore. On va essayer de choper quelques patates là qui me manquent. Parce que. Mince. J'aimerais bien finir cette petite quête. En fait, voilà. Que tu vois, que j'arrive à avoir des quêtes à chaque fois un peu. Tu vois? En gros, que tu vois, genre, je fasse un trajet, mais en mode, voilà. Ça m'a amené quelque chose quand même de le faire et pas juste. Bah, juste me promener, quoi, on va dire. Sachant que les quêtes du début, elles sont quand même faciles, tu vois. Ce serait un peu bête de passer à côté. Ok, là, c'est un petit moment que j'ai pas eu de monstre. Mais vous voyez, là. Bah, là, tout à l'heure, j'aurais déjà dû rentrer à la maison, tu vois. Ok, alors là, il sort du monde. On va tuer ça, je pense, rapidement. Ok, on va se mettre comme ça, voilà. Regardez le monde qu'il y a! What the fuck? Ok, heureusement, quand même, qu'on tape en AOE et qu'on est cheaté, hein. Parce que là, franchement. Heureusement, hein. Là, j'avoue qu'avoir un rayon un peu plus gros, tu vois, ça me permettrait de farmer ces trucs un peu plus rapidement. Et mine de rien, c'est pas négligeable, hein. En vrai, j'ai bientôt les os requis aussi pour finir la quête. Bref, ça va vite, hein. Mine de rien, j'ai beaucoup de monstres ici. Et ça va quand même assez vite. Ouais, tu vois, il me dit déjà qu'on est bientôt plein. Oh non, ça va, on est large encore. J'ai 100 espaces, là. Je commence à m'inquiéter, mais ça va, on est large. Voilà. 16 sur 20, 44 sur 50. En vrai, il y a peut-être moyen que je finisse toutes les quêtes. Je suis pas sûr, hein, mais. Est-ce que c'est ça des patates? Non. Tiens, mais elles sont les patates. Ok, là j'ai de l'ennemi. Ok, alors là par contre, il commence à avoir du monde. Encore une fois, hop.
Voilà. Et en fait, on se met bien d'un côté. Et en fait, quand tu les tapes, eux, ils t'attaquent pas. Donc, bah, ça passe, tu vois, en fait. C'est vraiment ça, voilà. Ma technique de combat de lâche, tu vois, c'est ça, en fait. Tu vois. Genre... Ok, nice. Les patates, où êtes-vous? On va récupérer ça, parce que ça me donne ce que je veux, je crois. Voilà. Si je dis pas de conneries, ouais, ça me donne ce que je veux. Je suis à 19 sur 20, zut. Et ouais, j'avoue, on peut tellement ramasser, là. Oh, c'est abusé. Moi, je pense que j'arriverai pas à choper les patates, mais c'est pas grave. En vrai, je m'en fiche un peu. Oh, il y a un coffre là-bas, pour prendre ça, je le veux. Hop. Ah, zut! Bon, on va rentrer, de toute façon, on n'a rien à faire ici. On n'a plus rien à faire. Ok, est-ce qu'on se bat encore? Bon, vas-y, de toute façon, on s'en fout. On perd pas de... Enfin, tu vois, enfin, je veux dire, on perd pas de points de vie ou quoi. Merde. Et cours! Bon, ça sert à rien que je me batte, effectivement. Hop. Ah, ça joue, c'est fort, quand même. 1300 boulas, ma foi. Et en vrai, tu vois, on a quand même récupéré pas mal de petites choses. Et en vrai, tu vois, on a déjà bientôt assez pour farmer ça, tu vois. Là, je vais aller améliorer, vite fait, mon truc ici. Même en vrai, ce que je pourrais faire, c'est encore plus augmenter mon sac à dos, tu vois, avec les 1000 balles. Bah, je pense même que c'est ce que je vais faire, tu vois. Tac, tu vois, on augmente ça. Et ouais, et je me dis, tu vois, en vrai, on peut peut-être faire quelque chose, tu vois, ici. Avec ça, par exemple. Ah, parce qu'il me faut des... Alors, non, dommage, tu vois, que tu puisses pas voir, en fait, tu sais, ce que c'est ici, par exemple. Tu vois, on dirait des gros rondins de bois, tu vois. Mais je pense que pour avoir ces rondins de bois, par exemple, tu vois, il faudrait que j'aille là et... ouais, c'est ça, tu vois. Tu peux les choper ici et pas là, par exemple, tu vois. On va aller à la ferme aux œufs. C'était où déjà? La ferme aux œufs. C'était par là, non? Ouais, c'était là, tu vois. Et là, en gros, tu vois, t'as ton œuf ici. Tac, tu vois. Ok. Alors, je sais pas pourquoi le truc il saute, mais ok. Ok, faut peut-être attendre un petit moment ou quoi, je sais pas trop. J'avoue. Mais voilà, bon, c'est tout pour la petite découverte du jeu. Si vous voulez en voir un tout petit peu plus, n'hésitez pas, hein, voilà, à demander. Au moins, histoire peut-être qu'on débloque peut-être le barbeur, ou peut-être qu'on débloque une nouvelle île, je sais pas. Parce que débloquer une nouvelle île, en vrai, ça coûte de mémoire pas si cher que ça. J'ai rien... Ça coûte 5 000. En vrai, 5 000, c'est quoi? C'est quelques parties. Tu t'améliores un petit peu ton truc et tout. Et t'as moyen, tu vois, d'avoir des dingueries. Donc, ouais, tu vois, je me dis, ça peut être intéressant. Donc les amis, moi je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je remercie encore une fois Keymailer de m'avoir donné une clé du jeu, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!